On pensait qu'elle allait mieux, mais en fait, Amy Winehouse continue sa longue descente aux enfers. La chanteuse a en effet dû annuler dimanche ses concerts prévus pour lundi et mercredi, après avoir été sifflée samedi soir par les 20 000 spectateurs qui étaient venus la voir à Belgrade, où elle entamait une tournée européenne. Winehouse, ivre ou défoncée, est apparue vacillante et désorientée, avec une heure de retard sur scène, marmonnant vaguement ses chansons. Dans le public, beaucoup ont préféré partir avant la fin du concert. Amy Winehouse connaît des problèmes de drogue et d'alcool depuis plusieurs années. Son dernier album date de 2006.